Et yop, tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Metro Exodus. Donc je viens de terminer la première, je sais pas, disons la première, ouais, première entre guillemets, première map en open world, ça c'est sûr, donc de Metro. Donc je devais du coup traverser un pont dans une zone enneigée. J'ai terminé ça sans tuer les civils en fait, enfin c'était pas des... Si c'était des civils, mais c'était armé, donc enfin je sais pas, sans tuer les religieux du coin. Voilà. Et donc là je vais lancer du coup directement, je vous ai attendu, hop, là le chapitre d'après. On va voir ce que ça va donner. Artyom. Artyom. Réveille-toi, chérie. Il est réveillé ? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard. Ça marche. Allez, lève-toi. Ah bah ok, sympa. Elle me vole ma place. Ça te dit que... Tu fais du super boulot là-bas. On n'est plus à la maison. Alors faisons comme si tout s'était passé en douceur. Bah ça s'est passé en douceur. C'est pas comme s'il restait beaucoup d'humains maintenant. Alors, j'espère qu'un jour, on pourra faire confiance aux autres, parce que ce sont des gens aussi. Je t'embête. Désolée. Je suis d'humeur philosophe aujourd'hui. Ok. Reste un peu avec moi, Artyom. Bah écoute, oui. Avec plaisir. Un petit moment câlin avec Anna. C'est agréable. J'aimerais rester comme ça toute la vie. Artyom, quand tu escaladais ces... Je peux même faire une interaction. Vous voyez pas avec... Tu t'es demandé à quoi ressemblerait notre vie. En fait, en bas à gauche, je peux choisir entre partir et utiliser ma main du coup pour... un endroit où la caresser, lui tenir la main, etc. Une cabane en bois en lisière de forêt. Ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Même si... Il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça, ensemble, dans les gares abandonnées, dans les ruines. Attends, mes mains sont super bien faites. Vagues. Je viens de voir, mais regarde. Surtout dans notre compartiment privé. Ouais. D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces. En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Je peux interagir. Les occasions de partir en voyage de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. En vrai, la main est bien faite, je trouve, mon bras. Enfin, sur mon écran, en tout cas, les détails sont assez fous. Tu sais, j'ai discuté avec Katia. Ah ouais? Je suis assise ici et je pense au pont et à ses habitants. On est restés coincés sous terre 20 ans, eux non. Et alors? Ils ont rien à voir avec ces gens qui construisaient des villes, des avions ou des fusées. Ils sont comme nous. Les habitants du métro, ils souffrent peut-être même plus. C'est vrai. Tiens. Au fond, ce ne sont que des esclaves. Vraiment. Ils travaillent toute la journée et prient toute la nuit. Toujours surveillés, toujours commandés. Ils n'ont pas leur mot à dire. Tout est décidé par la communauté. Enfin, Silentius. Ils ne possèdent absolument rien. Même leurs chaussettes appartiennent à la communauté. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont juste en extase devant lui. Devant ces mensonges ridicules sur l'électricité. Évidemment, ils sont pas tous dupes. Mais s'ils osent poser des questions, ils doivent faire pénitence et exorciser un démon électrique avec une croix et des prières. Mais c'est une condamnation à mort. Il y en a qui ont réussi, hein, quand même. Qui irait croire qu'une lampe de poche est dangereuse? Ou une radio? Mais non, ils évitent tout, ils se cachent et prient tout le temps. Comment peut-on faire gober des conneries pareilles aux gens en si peu de temps? La manipulation, ma chère. J'ai tendance à croire aux mensonges, pas vrai? Tant que ces mensonges sont commodes, ou du moins familiers. Regarde-nous dans le métro. Bon, on n'est pas encore tombé sur les occupants. Mis à part cette chemise sur l'antenne. Oh, ça va? Katia et Crest les ont jamais vus non plus. Mais ils peuvent quand même être là, quelque part. Pourquoi t'as toussé? C'est les trucs du premier chapitre? Ils nous ont pas mis au courant à la maison. Ils nous ont pas dit que la guerre continuait. Ils nous ont juste fait croire qu'il y avait plus de vie autre part que dans le métro. Ils nous ont menti. Ils n'ont pas arrêté, tout du long. Est-ce que leur intention était bonne? Peut-être. Mais le métro est une forteresse bâtie sur des mensonges. C'est vrai aussi. Ça me fout en rogne. Eh,
les petites discussions, elle parle cœur ouvert là. Chemin parcouru, on n'a pas croisé un seul ennemi. Bizarre, hein? Ouais, c'est vrai. Mais papa reste sur ses positions. Soyez vigilants, faites attention. Mais en même temps, s'il y en a, vaut mieux être prudent quand même, tu vois. Je sais que j'aime mon père énormément. Imagine sur un malentendu. Mais si tout ça la foutrait mal. C'était qu'un autre tissu de mensonge. C'est possible également. J'espère qu'on découvrira toute la vérité quand on arrivera à Yamantau. Ah mais Yamantau, attends. Ah, enfin. Tu sais quoi? La caravane de marchands, ils en venaient de Yamantau. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, Artyom. Restons assis encore un peu. Bien sûr. La caravane de marchands, ils en parlaient de Yamantau. Ils disaient, ah, je voudrais retourner à Yamantau. Et l'autre qui a répondu, ouais, enfin, c'est chaud aussi là-bas. Allez, file de là. Papa voulait te voir. Bah écoute, pas de soucis, mon amour. On se fait des moments câlins comme ça quand tu veux. Je peux me rasseoir, là? Hop. On se croirait dans un conte de fées. Ouais, enfin, deux, trois détails près, un mais oui. Un prince a sauvé sa princesse d'un donjon infesté de monstres et l'emmène dans son royaume enchanté où ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ouais, dans un train miteux, mais tu à part crois ça... qu'on finira par trouver ce royaume? Enfin, si c'est avec toi, je serai heureuse partout. Mais arrête de tousser, tu me fais flipper, par ce contre. Ce qui compte le plus pour moi, c'est... ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis plus rien? Tu dis plus rien? Tu vas pas retousser? Non, ok, dis plus rien. On va essayer de se relever, de repartir. Ok, vas-y, relève-toi. Hop. Tu pars déjà? Bah, ça va! Bon courage, mon chat. Mon chat? Rrrr. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, le lore un peu. Faut qu'on fasse 2-3 passages de lore quand même. C'est vrai que c'est vachement long, mais. Ça, on a lu, ça, on a lu. La Volga. Semble incroyablement frais. Est-ce qu'on a tout lu ça? Ça, c'est le résumé de la mission, en fait. Bon, je vais pas le lire. Si jamais vous voulez regarder, vous mettez pause. Parce que ça, c'est juste le résumé de la mission. Le résumé de ce que j'ai fait. On va juste aller tout en bas. Hop. On y redescend. Putain, c'est long, la vache. Ah, il s'est rendu immédiatement. Voyons, d'accord, c'est récapitulation. Genre, bonne action, mauvaise action, bonne action, mauvaise action, je pense. Les fanatiques, c'était leur refuge face aux étapes démons. On n'est pas particulièrement ravis de laisser ces gens passer. C'est-à-dire, leur garde n'était pas là à la hauteur car l'impression de sécurité les avait rendus suffisants. J'ai réussi à m'introduire au carré de leur secte sans me faire repérer. Très bien. C'est né un livre, s'entendre parler de la guerre. Et là, c'est la fin. Ok, voilà, bon ça c'est le résumé, printemps. On a tout vu là du coup. Ok, retour. Équipage. Est-ce qu'il y a des nouvelles? On peut pas descendre plus vite? Parce que c'est long. Il n'y a pas une molette ou un truc? Utilise la molette de la souris pour faire défiler. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais c'est méga long. Alors Duke, je peux dire des trucs de plus. Le duc des ténèbres. on va tout lire depuis le début. Digne des ténèbres, Igor Dukov, le plus jeune, le plus courageux et le plus fou d'entre nous. Certains ont rejoint l'ordre par dépit. D'autres pour protéger les gens. Duke est simplement dingue d'aventure. Quand on connaît les charges des volontaires, Duke est toujours partant, peu importe la difficulté ou la dangerosité de la mission qui nous attend. Dommage qu'on ne décerne pas de médaille au sein de l'ordre, parce que Duke en serait recouvert. Je crois que j'avais déjà lu tout ça. Blablabla. Et donc la dernière peut-être. Igor aime se faire appeler le duc des ténèbres, mais il n'y a pas plus enjoué que lui. Ce n'est rien qu'un gamin qui aime prendre des risques, mais la chance sourit aux audacieux. Sans ton intervention avec cet obscurantiste de Silentus, toute l'opération aura pu capoter. Duke, mon ami, ton étoile brille un peu plus chaque jour, et bientôt tu nous éclipseras tous. Toi et moi sommes du même sang, et c'est une fierté. Donc voilà, c'est ça qui s'est ajouté.
sais pas s'il y a des gens qui sont ajoutés. C'est toujours pour elle, arrête pas de penser à elle. Ouais. D'accord, donc ça c'est le mec pour les... Donc, je pense que les deux autres trucs ça doit être ça. Pour Katia et Crest. Séant du vivre ou comment ils ont réussi à rester saines d'esprit et surtout garder leur optimisme. Il s'avère que cette petite fille et cette femme sensible sont bien plus coriaces qu'il y paraît. Ils réalisent à tout ce que le destin met en travers de leur chemin. Le destin n'y va pas de main morte. Elles sont arrivées à la Volga avec un important groupe de migrants en quête d'une nouvelle vie. Cette quête a pris fin lorsqu'ils sont tombés face à une nouvelle foi. Et donc à leur mort, bien sûr. Ils ne sont pas morts de la main de Silentius, ni même sous ses ordres, mais sont rituels sacrés pendant lesquels un initié doit se débarrasser d'une anomalie électrique qui pourrait être acceptée. En quoi est-ce différent d'un meurtre? C'est vrai qu'il y a peu de chances d'en survivre, ça arrive, mais c'est rare. Ce n'est pas étonnant que le colonel se soit laissé convaincre par Stéphane et Anna d'accepter Katia et Nastia à bord de l'Aurora, même si de nombreux dangers nous attendent. Je pense tout de même que ces femmes sont bien plus résistantes que certains soldats aguerris. En plus, Katia est infirmière et son expérience médicale ne sera sans doute pas de trop, exactement. Rencontreur d'histoire, mécanicien, tant le tueux et aventurier, né Crest a voyagé à travers les vastes étendues de ce monde hostile et inconnu de la surface, pris part à des centaines de combats et infligé des milliers de coups, dont quelques-uns qui n'étaient probablement pas nécessaires. J'ignore si Crest voyagera longtemps avec nous, mais je ne suis pas surpris qu'il se soit intégré aussi rapidement. Dès le départ, il a participé à la réparation de l'Aurora, nous a offert la Drésine qui l'accompagnait dans ses aventures, puis est parti en mission avec nous pour capturer le remorqueur. Nous couvrons avec Duke au moment d'infiltrer le pont. Pas étonnant que même notre colonel, d'habitude méfiant, n'ait pas hésité une seule seconde à lui proposer une place au sein de l'équipage. Et Stéphane, est-ce que c'est pas marqué qu'il kiffe Katia et tout ça? Je crois qu'on avait lu le premier chapitre, on va lire le deuxième. Avant de contre Katia, Stéphane n'avait jamais discuté le moindre ordre du colonel. Mais quand Melnik a refusé que la femme et sa fille montent à bord de l'Aurora, il n'a pas hésité à lui dire sa raison de penser. Le colonel a été pour le moins surpris, tandis que nous avons immédiatement compris ce qui se passait, tu m'étonnes. Mais comme tout mon commandement, Melnik a rapidement vu clair dans le jeu de Stéphane et s'est laissé convaincre d'accueillir Katia et Nastia à bord. Avec elle, Stéphane était sûr de ne jamais quitter le navire. Et pareil, il y a pas mal de choses sur Sam, non? Traverser le fleuve en attendant de réparer l'Aurora, Sam a... À force de nous entendre mentionner la présence des forces d'occupation, a fini par se convaincre que le colonel n'avait plus confiance en lui. Quand on a servi un commandant avec une loyauté sans faille pendant 20 ans, ça va être dur d'apprendre qu'on nous considère comme un traître. Tout comme ça, doit être dur de se rapprocher de son vieil ennemi et de découvrir que son pays pourrait encore être là. Finalement, si la guerre n'était pas terminée, dans quel camp es-tu, Sam? Qui es-tu? Ah, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, comme une aventure exaltante. Ouais. Bon, je pense qu'on a lu tout le reste. Peut-être pas hier, Marc. Remarque, il y a peut-être des choses de plus. Non, ok, bon. Nouveau monde. Fanatique. Je suis désolé, hein, voilà. Comme je disais, il y a des petits passages creux où c'est plus le lore, moins dans l'action. Mais je pense que c'est important quand même. La vénération d'un énorme poison chamitant, la haine profonde pour la technologie et des étrangers, ainsi que la suppression totale de toute individualité ou pensée indépendante au sein de la communauté, voilà à quoi il faut s'attendre quand on est associé au mysticisme, mysticisme primitif, religion classique et culte de la personnalité d'un bon vieux fondateur. Je dois malgré tout admettre qu'en formant cette communauté, les fanatiques ont réussi à survivre dans ce monde impitoyable, transformant le pont sur lequel ils se sont installés dans une véritable forteresse qu'il faut prendre très au sérieux. En compensant leur manque d'entraînement par une motivation sans faille, qu'ils puisent dans leur fanatisme leurs meilleurs éléments, les combattants des éclairs sont capables de repousser les anomalies électriques et même les gangs de bandits. Ah, on en a vu un du coup. Ben, c'est tout du coup, je pense. Créature. Humanimo. Comme les autres mutants, nés des retombées radioactives, ces créatures cauchemardesques sont dans leur élément dans ce monde d'après-guerre inhospitalier. Ces créatures n'ont pas hérité de l'intelligence des humains, dont ils descendent. Leur comportement se rapproche plus à celui du singe. Ils vivent en groupe, n'utilisent aucun outil et se défendent principalement en jetant des pierres à distance. Un mutant seul ne représente pas une grande menace, mais il peut s'avérer difficile de survivre face à un groupe. Notre première rencontre avec ces créatures a lieu sur les rives de la Volga. Dehors, ils sont plutôt inoffensifs, voire pathétiques, leur apparence abominable étant accentuée par leur déplacement léthargique. En revanche, ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre dans le bâtiment abandonné du Terminus. En plus de jeter des pierres, j'ai vite compris qu'ils étaient capables de piéger leur proie en se cachant dans les eaux peu profondes. Ah oui, c'est vrai, le truc qui m'a fait sursauter là.
Un poisson chat mutant géant qui terrorise les pêcheurs peut paraître étrange comme objet de culte. Mais en leur lavant le cerveau, Silentus a réussi à conditionner les locaux à croire en sa mission divine. Crevettes femelles, c'est les petites ou les grosses les crevettes femelles? C'est des petites. Ces formes de vie aquatique mystérieuse ressemblent à des crustacés. Bien qu'on soit plus sûr de rien de nos jours, autant que je sache, personne n'a songé à les étudier pour déterminer leur classification. Une chose est sûre, ce sont des prédateurs aussi agressifs que dangereux, dont la carapace est très résistante. Les femelles ont tendance à attaquer à plusieurs en crachant leur mucus d'acide à distance, ou quand elles estiment pouvoir achever leur proie facilement en les tuant avec leur gueule répugnante semblable à une sangsue. Et les mâles, alors là, ceux-là sont plus baraques, c'est les homards, hein, comme on les appelle. Les formes de vie aquatique mystérieuses ressemblent à des crustacés, bien qu'on ne soit plus sûr de rien de nos jours. Autant que je sache, personne n'a songé à les étudier pour déterminer leur classification. Je vous assure, ce sont des prédateurs aussi agressifs, blablabla. Les mâles sont de nature solitaire. Ils ont un comportement extrêmement territorial. Dès qu'ils considèrent quelque chose comme une menace, ils attaquent immédiatement, utilisant leurs membres antérieurs comme armes et comme boucliers. Les chiens, on avait déjà vu. Érodeurs. Si les rôdeurs sont loin d'être les mutants les plus puissants et les plus agressifs du métro ou à la surface, il convient de ne pas les sous-estimer, particulièrement si vous êtes seul. Ces créatures vivent en colonies dans des terriers pour se protéger des plus gros prédateurs. Elles creusent des réseaux de galeries qui communiquent entre eux et s'y cachent à la moindre alerte, tout en surveillant étroitement la zone pour repérer les dangers ou les proies potentielles. Dans une zone de terriers, vous ne pouvez jamais savoir d'où les rôdeurs vont attaquer. Une seule chose est sûre, ce sera toujours par surprise. C'est vrai. Ça on s'en fout. Je le passe rapido si jamais ça vous intéresse, mais en vrai, je pense qu'on s'en fout un peu. Voilà. Ensuite, arme. Bah là, pareil, on s'en fout. Donc, pareil, je montre rapidos. Et puis, vous faites pause si jamais ça vous intéresse. Bon. Après, voilà, c'est des descriptifs d'armes. Je pense qu'il y a quand même plus palpitant. Ok. Y a pas des trucs à faire à la radio? Ah, qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est? Kinel, réponds, Kinel. Terminé, c'est... Super. Bon, je réessaierai plus tard. Kinel. Est-ce que c'est l'indice sur la prochaine zone? Ok. C'est peut-être des indices pour la prochaine zone, hein. Ou dans le suite de l'aventure. Hop. Bon, on va voir s'il n'y a pas d'autre chose. Ah. Bon, ça c'est de la musique, on s'en fout. On va chercher d'autres voies. Vous avez alléché le cul de Menshikov à ce point? Depuis combien de temps il est arrivé à Irkoutsk? Hein? 2 ans, même pas. Tu ferais mieux de réfléchir avant de dire du mal de Menshikov. T'as oublié qu'il a lancé le commerce avec les détenus de Solotaï? Hein? Je connais pas du tout de quoi il parle, mais on va voir. Lui au moins, c'est un bonhomme. Il a traversé le lac Baïkal. Il y a plein de noms propres partout. On serait peut-être baissé dans tout ce qu'il pourrait proposer. Alors que Menshikov peut aller se faire cuire le cul. Prendrais pas un peu trop la grosse tête? T'es tellement cool que la bande d'Hurlet t'a lâché. Arrête un peu avec tes grands airs. Va te faire foutre, Dan. Très bien. Je veux bien écouter Menshikov si tu l'aimes tant que ça. C'est qui, Menshikov? Ah, ça suffit avec ces conneries. L'essentiel, c'est Kirkus qui est encore debout. Et moi aussi, les gars. T'as raison. C'est ça, l'essentiel. Bon, embrasse bien Menshikov de ma part. Terminé. Bon, on connaît pas les gens qui parlent, hein, mais... Terminé. C'est sympa de voir qu'il y a de la vie, du coup. Hein. Ça fait quand même la deuxième conversation que je capte, sans parler de la musique. C'est chelou que je capte de la musique, d'ailleurs. Qui émettrait de la musique, encore? Ah. Pareil, musique. Peut-être un truc à la fin, on va voir. Non. Clic gauche. Voilà. Merde. Mauvais clic. Échappe. Alors, allume les lampes. Putain, c'est chiant ce bruit.
Attends. Quand on est sur la route, moi aussi j'ai écouté la radio. Et j'ai pas entendu le moindre message à propos d'une force d'occupation. Moi non plus. Attends, je remets je remets de la musique parce que c'est dégueulasse ça. On entend tellement de conversations banales, tellement d'histoires. Papa prétend que c'est des messages codés, qu'il y a toujours un message caché. Pourquoi tout ce mystère? Pourquoi ils n'utilisent pas la voie ferrée? Pourquoi ils contrôlent pas au moins les carrefours stratégiques? Pourquoi ils n'ont pas installé de barrages? Parce qu'il y en a pas. Présents. Il n'y a pas, il y a personne. C'est la principale ligne de transport, après tout. Bah oui, c'est vrai. Ils sont peut-être pas là du tout. Ils sont peut-être jamais venus ou sont déjà partis. Mais où? Rappelle-toi, ni Katia ni Crest ne les ont vus. Et puis, on a l'air de très bien s'en sortir sans eux. On se croirait au Moyen-Âge. Ouais, enfin, on est dans ceux un train, quand même. Les gens comme des esclaves. Il les fait tuer. Et personne ne s'imagine vivre sans ces mensonges, ces inepties. Ça fait 20 minutes et déjà. Ces sacrifices humains. Vache. Et nous, on vit sous terre depuis tellement d'années à s'entretuer. Et personne ne s'est jamais dit qu'on pouvait vivre dehors. Ok. Putain, ça fait 20 minutes. Ok, laisse-moi me relever. Bah oui, ma douce. En vrai, ça fait 20 minutes. 20 minutes. Le niveau va me commander. J'ai rien fait à part sortir de cette pièce. J'ai écouté Anna parler pendant 15 minutes. Enfin, 10-15 minutes. Et j'ai lu le truc là. C'est ouf, je trouve. Ancartium, oui. Ancartium a déjà fini son atelier. Tu veux venir voir? Il est génial. Regarde, Ancartium. Ah, salut Artium. T'as vu mon nouveau bureau? J'avoue que c'est royal. Et son petit nounours qu'elle a. Qu'est-ce que tu dis de cet atelier, hein? Tout est à portée de main. Il y a tellement d'espace. C'est vrai que c'est sympatoche. Presque tout le matériel que les gars et toi avez trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Bah écoute, pas de soucis. Mais il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles comme les munitions et l'équipement ne poussent pas dans les arbres. C'est bien vrai. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver, à mon avis. Alors, pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir. Hein? Bien sûr, c'est déjà ce que je fais, t'inquiète pas. À fabriquer. J'ai pas encore décidé où je bosserai sur les combinaisons, mais il va falloir, et vite. On va pouvoir faire ça. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand-chose. La plaque de blindage arrière, ces détails, je trouve ça vraiment ouf. Ne tient plus. Il plaisante toujours sur le fait que ses orteils seraient dans la merde si c'était celle de devant. quand même. Je vais devoir refaire de vous une vraie armée. Bien sûr. Alors par contre... Allez, assez discuté. Simple question. Je vais pas te retenir plus longtemps. Le colonel a demandé à te voir. La gamine qui joue près des flingues, et c'est pas trop grave. Qui m'attend. Il y a plus de monde pour bousiller le matériel que pour le réparer. Non, parce qu'il y a quand même des flingues qui sont à portée... Bon, très bien. Disons que tu surveilles. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Nestia? Non, parce que là, la hache, par exemple, c'est pas... Est-ce que t'as une machine à coudre? Ah, non. Comment tu vas réparer les combinaisons, alors? Comme tout le monde, je vais prendre du fil et une aiguille et je vais faire de la couture. Waouh, super! Tu peux m'apprendre? Bien sûr, mais plus tard, j'ai du travail. Je pourrais réparer la bandoulière du fusil de Sam. D'accord. Sachant que ça va lui... va mal... Ah, mais sous surveillance. Sam est tellement strict... Elle va faire une connerie, il va faire tomber son arme, il va mourir, c'est... Et oncle Sam n'est pas strict du tout, il est gentil. Normal, il veut pécho ta mère. Allez, regarde, je vais te montrer. Maintenant, on fait ça... Mais c'est tellement vivant, je trouve, comme ambiance. C'est ouf. Je sais que j'ai déjà dit, mais j'ai vraiment le sentiment, au niveau écriture des persos, d'être comme dans la licence Mass Effect. En fait, c'est vraiment des persos avec énormément de dialogues, peut-être même plus. En fait, c'est pour vous dire, parce que j'ai même pas besoin de parler aux gens. Je passe à côté là. Prends ton temps. Voilà, tu vois, là, je passe à côté. Il est en train de lui expliquer. Il y a pas de. C'est pas moi qui lance le dialogue. C'est vraiment, il passe. Tu vois, c'est vivant à côté de moi, etc. Là, il y a un petit livre à lire. Tape nouvelle note. Cher papa.
Je t'écris comme ça, quand tu reviendras, tu sauras où nous chercher, maman et toi. Parce qu'on voulait rester ici, mais Silentius a dit qu'on devait aller à la tour et laisser la voiture. Et j'ai pas envie. Je vais t'attendre dans la voiture, mais... Alors, mais maman... Oui, mais oui, c'est la gamine qui a écrit. Mais maman a dit non. Je me dis, mais il manque un S. Et Silentius a dit que tu reviendrais... Ouais, ok, bon. Que tu reviendrais pas parce que tu as raté l'épreuve de foi. L'épreuve, ok. C'est un sale menteur parce que t'as jamais eu besoin de preuves et leur foi, c'est des bêtises. C'est toi qui l'as dit, je m'en souviens. Maman a rien dit, mais je sais qu'elle t'attend aussi. Alors j'espère que tu reviendras vite et qu'on pourra partir loin. Je t'aime très très fort. Nastia. Ok. Donc elle écrit une lettre à son père qui est potentiellement mort. Là on a quoi? C'est le truc à Melnik, ça? Il y a un truc, une petite capuche. Ah bah tiens. Regarde, il joue de la guitare pour la charmer, la douce. Artyom, viens donc t'asseoir un moment. Stepan nous joue quelque chose. Alors Artyom. Pourquoi il y a un flingue ça sur la table? Dit de faire un bœuf. Allez, prends la guitare. Un bœuf? Pourquoi il y a un flingue sur la tête? C'est une roulette russe? Vous jouez sur la table, pardon. Le maestro va t'impressionner. Et là, on fait un duo. Vas-y, c'est parti. Et du coup, après, ça tourne en plan A3 ou quoi? Parce que je suis marié, les mecs. Hein. Plan A3, non. Par contre, A4, je peux peut-être lui demander. Il y a peut-être moyen de négocier. Putain, mais vous voyez ce que je veux dire par le truc? C'est vraiment vivant. T'as vraiment envie de passer du temps, tu vois, tout ça. Tu vois, là, tu joues de la guitare avec le mec. C'est des trucs cons. On est d'accord, c'est pas des trucs capitaux, c'est vraiment des trucs cons. Est-ce que je peux regarder dehors, là, je vois des bâtiments? Bon, c'est pas grave. C'est vraiment des trucs cons. Mais je trouve que ça rajoute tellement de vivant, en fait, dans tout ça. T'as vraiment l'impression vraiment de faire partie d'un groupe, de connaître les gens, de les voir évoluer ensemble entre eux, alors que je suis qu'au début du jeu. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment-là et je trouve ça génial, en fait. Au niveau de l'écriture des personnages, je trouve vraiment ça génial. Vas-y, on peut se barrer. Merci, Stepan. Pardon de te demander ça, Katia, mais... Le père de Nastia, il est mort, c'est ça? Nastia est au courant? Oui. J'ai d'abord essayé de lui cacher. Je lui ai dit qu'il était parti au marché. Trois jours ont dû passer, mais je gardais toujours ça pour moi. J'étais assise là, une aiguille à la main, et je ne voyais rien. Tout était noir devant mes yeux. Et puis, elle s'est blottie contre moi en me disant « Tu devrais pleurer, maman. Tu te sentiras mieux. » Senya me disait la même chose. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle est au courant. Elle a compris. Je suis navré, Katia. Tellement navré. Ils vont tellement se pécho. Je vais comme on a fini au pont. On vivait au nord-est du pas très loin à votre Mais ça nous a pris un mois. Il y a eu des bombardements, c'est un immense tas de décombres là-bas. Hier, Matt m'a demandé comment c'était, je lui ai expliqué. D'après Senya, il y avait des tas d'usines de matériel militaire dans les environs. Enfin, pas seulement, d'autres industries aussi. Et maintenant, les radiations sont si élevées qu'on ne peut plus traverser, même avec des filtres. Il n'y a plus de chemin de fer non plus, seulement des cratères et encore des cratères. On est passé au large, mais notre compteur s'affolait quand même. En fait, t'as 4 cancers. Une seule route était praticable. Il n'y avait rien à bombarder. Alors on l'a utilisée en se disant qu'on avancerait vers l'ouest, mais... Mais évidemment, ils ne nous ont pas laissé traverser le pont avec la locomotive au diesel. Ils disaient que c'était l'œuvre de Satan. Ils voulaient bien qu'on reste si on leur donnait la locomotive pour qu'ils la purifient. Alors on est resté. Et même si on avait voulu repartir, on n'aurait pas pu. Ce vieux bouc, le père Silentius, avait endoctriné tout le monde. Ils passaient leur temps à prier et à s'incliner. Ils ont démonté notre train à main nue et l'ont balancé dans la rivière. Purification. Et le pire, c'est qu'ils nous ont reproché de ne pas les avoir aidés. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous aider à détruire votre train? Il n'y avait que des gens du pont. Parce que ce fourbe de Silentius avait envoyé nos amis passer une épreuve. Ah, putain. Il leur avait dit que s'ils voulaient être acceptés pour de bon... Il devait vaincre un démon. Senya est parti à leur recherche. Mais il est arrivé trop tard. Il n'a trouvé que des haillons calcinés. Bah, rip, encore une fois. Et ensuite, ils l'ont envoyé faire la même chose.
Il n'est jamais revenu. Katia, je suis désolé. Mais il est peut-être pas mort, on a trouvé un mot... Tu ne pouvais pas le savoir. Ce qui est fait, est fait. Ben, si, je l'ai peut-être tué du coup, mais passons. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Bof. Dis, Stéphane, et si tu nous jouais quelque chose? Avec plaisir. J'ai plombé l'ambiance, t'inquiète pas, faut bien commencer par les mauvaises nouvelles avant de se pécho. Comme ça, on élimine toute onde négative. Ok. Je vais juste voir ce mec-là au fond, ce qu'il me veut. S'il me dit c'est bloqué ou si... C'est Crest, ça. Osclop ? Très bien. Elle arrache cette clope. Est-ce qu'on lui parle ? Elle est forte. Oh. Est-ce qu'on lui parle si on fume ? Enfin. On a connu pire. Alors, est-ce que tu me racontes des trucs, Crest ? Mec, il s'étouffe, tu sais, tout va bien. Voilà. Vous êtes tous des gens bien. Toi, le colonel, Duke. Il a fait ça, des super boulots. Ça, c'est juste de stockage, ok. Et maintenant, il fait le fanfaron comme un gamin. D'ailleurs, c'est un gamin. Mais c'est un gars bien. Un gamin bien, du coup. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Ou un gars bien. Merci. Merci, bien, vous m'avez tous accepté. Et je suis un gars simple. Je vous revaudrai ça. Bah écoute, ça vous change de vos tunnels dehors. C'est la liberté, hein? Bah ouais. Évidemment, tout cet espace, ça me paraît un peu vide à moi. Attends, mais les détails de cette main. Des roseaux et des ruines. Et ces foutus mutants. Je suis quasiment sûr que ça va être réduit sur YouTube. Hein. Mais bon, moi je vous jure, on voit tout quoi. C'est. Comme j'adore. Ça, vous voulez rencontrer des gens du gouvernement. Mais, bon, en tout cas, sans vouloir te vexer, tu peux me dire ce que vous attendez d'eux, exactement. Bah, pas grand-chose. C'est vrai, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais au fil de mes pérégrinations, je suis tombé que sur deux types de membres du gouvernement. Les morts les chefs des gangs. Laisse-moi te dire qu'ils sont bien pires que les bandits que vous croisez. Ils peuvent faire des choses horribles en un claquement de doigts. Chouette. Ce que je veux dire, c'est... J'ai jamais fait confiance au gouvernement, même avant la guerre. Et encore moins maintenant que ça a dégénéré. Alors, vous voulez quoi au juste ? Mais je sais pas, écoute, moi on me dit d'aller là, j'y vais. C'est quelqu'un de simple. J'ai dit que j'étais avec vous, ça veut dire avec vous jusqu'au bout. Mais je préférerais trouver un coin tranquille où vivre qu'aller voir le gouvernement. Je sais, il pourrait nous proposer des bunkers de luxe ou je sais pas quoi. Des bunkers de luxe. Avec des puits de luxe, toi qu'on y est. Tu m'as l'air d'avoir froid. Va te réchauffer. J'en fume encore une. Il faut que je réfléchisse un peu. Ok, donc on peut vraiment parler avec lui. Non, reste. On a assez de place maintenant. Bah, je me casse ou je reste? C'est parce que j'ai retiré une latte, je pense. Une taf, pardon. Voilà, ne mélangeons pas tout. Vas-y. Allez, hop. Très bien. Dans les toilettes, je me demandais pourquoi il y avait ce poster là. Ah, c'est un calendrier. Mais pas regarder les détails. Mais c'est con, je sais que c'est con. Enfin, je parle pas des détails du. Voilà, pour les. Mais même des écritures et tout ça, enfin tu vois. Tu sens le truc vivant quoi. T'en as même des toilettes, c'est grand luxe. Bon, par contre, il n'y a pas de porte, c'est qu'un rideau. Ah, tu t'es assise là du coup, ma petite? Alors attends, est-ce qu'on peut regarder ça vite fait? Utilisez pour occuper de l'aura de l'équipage. N'oubliez pas de vérifier votre équipement restant et de vous réparer pour le problème. Dans certaines de vos ressources ont été utilisées pour s'occuper de l'aura de l'équipage. Mais est-ce que du coup c'est bien ou pas? C'est-à-dire que si on avait. Les ressources sont prélevées automatiquement pour améliorer peut-être l'atelier. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. On va tout nettoyer. Ah bah j'ai tout nettoyé déjà, très bien. On va faire des filtres un peu. Au niveau des balles. C'est une pistolet, on s'en fout. Je suis d'assaut. Vas-y, on peut en faire 30. Voilà. Les billes. Voilà. Je vais refaire un filtre. Parce que des filtres, ça part vite. Ça part vite. Et c'était vraiment ce qui me manquait dans les premiers. Après, j'ai tout bien. Ok. Nickel. Bon, les petits flingues et tous ces trucs-là, ça laisse présager qu'il y aura quand même pas mal d'armes. En plus. Bon. Allez.
Est-ce qu'on arrête l'épisode maintenant? Voilà une de mes préférées. Ouais, on va arrêter l'épisode maintenant et la prochaine fois on demandera ce que le mec a. Enfin. Melnik a à voir. Puis là, pareil, quand tu regardes dehors. Enfin, là, je suis désolé, c'est magnifique. Là, c'est plus. Il y a des épisodes où je suis dans l'action, l'infiltration, etc. Là, c'est plus, je dirais, la contemplation, détente, on approfondit les personnages. Alors, c'est moins de l'action, ça, je comprends bien que ça puisse plaire à un peu moins de personnes. Mais regardez, c'est magnifique. Moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial, je suis vraiment impressionné. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Metro Exodus. Allez, salut.